Nous sommes dans les locaux de la société de communication Prestacom Niger. Et ici, cela fait plusieurs semaines que les spots, shootings, photos et émissions ont été gelés. Avec la pandémie du coronavirus, l'entreprise a tout simplement dû stopper ses activités habituelles. Nous avions à l'époque énormément de choses qui étaient prévues. On produit un artiste Kitari, et là on avait un festival à Paris, après sur Niamey, on avait énormément d'activités qu'on devrait réaliser. En 48 heures, tout s'est vu annulé. Donc nous, on s'est réunis, on a dit bon, comme telle est la situation aujourd'hui, en tant que communicant, mais même au-delà de ça, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Depuis, les locaux ont littéralement changé de fonction. Aujourd'hui, le studio d'enregistrement s'est ainsi transformé en atelier de découpe et de stockage. Depuis quelques mois, la société s'est investie dans le nouveau marché en vogue, la confection de masques de protection. Ce n'est pas nos fonctions habituelles, mais vu la situation et tout ça, on a dû se réadapter en fonction des commandes. Elles sont venues au fur et à mesure, dès le départ, c'était des petites commandes, mais vu qu'on répondait aux attentes des clients, il y en a qui ont fait d'autres commandes. On a eu de nouveaux clients, l'ONIFAM, l'OMS, des sociétés de la place. De quoi susciter de nouvelles vocations parmi les employés, à l'instar d'Abdoulaye Diofo, monteur vidéo de l'entreprise, mais aussi et désormais tailleur à ses heures perdues. Le Covid nous a carrément transformés. Avant, j'avais, je ne sais pas, dans le studio, mon bureau, une table de montage et tout. Mais aujourd'hui, je me retrouve à faire des bavettes. C'est une expérience et puis la situation l'exigeait. Pas moins de 500 000 masques de protection ont d'ores et déjà été produits dans les locaux réaménagés de l'entreprise. Une réorientation qui, selon son directeur, a littéralement sauvé de la faillite la société de communication, mais qui ne devrait durer que le temps de la crise due au Covid-19 au Niger.